Bonjour, René Birquin, je suis le président fondateur de ce groupe SAS, société créée en 2009 pour pouvoir répondre à des attentes des utilisateurs, donc notamment dans le monde des univers virtuels 3D. On parle beaucoup de la 3D, on parle beaucoup de la notion d'avatar, sans véritablement trouver des moyens de communication qui soient parfaitement adaptés. Ce que nous avons voulu créer, ce sont des plateformes dans lesquelles nous avons développé une mutualisation des ressources, dans lesquelles vont venir se positionner trois grands principes de base. Premièrement, le réseau social. Le réseau social, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec les bien larges en personne. Nous souhaitons utiliser le virtuel de matière simple, la 3D, pour pouvoir en réalité, développer des usages. Ce qui est important de comprendre dans notre outil, c'est la mise en place et le déploiement. L'avantage d'avoir développé une plateforme sous forme, je dirais, d'un pack de Lego, puisque c'est en fait l'image que l'on peut donner, nous allons tout simplement mettre les éléments, les modules qui correspondent aux besoins de l'ASIE, puisque c'est de la 3D réservée à un univers un peu fermé, un peu réservé. Ce que nous avons souhaité, nous, c'est utiliser la 3D pour pouvoir lancer de manière ludique l'éco-citoyen participatif. Donc éco, économique, écologique, ce sont les éléments forts. Citoyen, c'est ce sentiment d'appartenance, donc de l'internaute. Et participatif, parce qu'il est réellement participatif dans ses flux et dans son apport d'information. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous présenter sous forme de différentes vidéos, sous forme de différents modules, et eh bien vous aurez le détail de chacune des actions. Merci beaucoup de votre attention.